Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le petit village Bolunga, dans la Sanaga-Maritime au Cameroun, neuf enfants disparaissent dans la forêt au cours d'une simple chasse aux escargots. Bravant tous les intempéries, sans manger ni boire, huit des neuf adolescents, dont l'âge varie entre 6 et 12 ans, sont retrouvés au bout de 11 jours de battue. Mais loin d'être une simple affaire de disparition d'enfants, elle pourrait être l'aboutissement d'un mystérieux plan diabolique orchestré par des sorciers présumés au cours d'une réunion secrète. Si l'hypothèse d'un probable enlèvement n'est pas écartée, vous verrez, mesdames, messieurs, dans cette émission des images inédites tournées dans des conditions extrêmes. Des images assorties de révélations, justement, à couper le souffle. À tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a dit, la maman? La maman, quand elle est sortie, on a essayé de l'interpréter. Oui. Elle a dit qu'elle a trop bagarré pour les enfants. Oui. Donc, elle n'a pas eu la force pour sortir avec tous les enfants parce qu'elle est marécage. Oui. Elle a fait les efforts de les entasser d'un coin. Mm-hmm. Que partent, qu'ils entrent à gauche, ils vont retrouver les enfants. Ils ont encore la force de reprendre, qu'ils entrent en appelant. Et elle dit qu'il y a un enfant qui est décédé? Oui, c'est ce qu'elle nous a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que l'enfant est décédé. Sûrement, l'enfant, elle est quittée entre ses mains. Elle n'a plus compris. L'enfant partait en appelant grand-mère, grand-mère. Elle ne sait plus comment est-ce que l'enfant a fait. Et l'enfant... Donc, elle n'a plus vu cet enfant avec elle. Donc, elle est restée avec huit. Sur les huit, elle est sortie avec un. Donc, il y a là-bas sept enfants. Oui, sept enfants. Et le corps de l'enfant qui est décédé, on ne l'a pas? De là-bas, on ne l'a pas connu. On n'a pas essayé de la demander tout ça. C'est le chef, Benjamin Edongue, qui nous a demandé de faire ça. Il nous a convoqués à une réunion secrète. C'était dans la nuit. Il a dit qu'il fallait faire des pratiques pour que neuf enfants du village disparaissent dans la forêt. Ce qu'on raconte sur moi n'est pas la vérité. Je ne suis pas un sorcier. Je ne connais rien. Je ne connais rien. Moi, je ne connais rien. Je suis innocent. Ces enfants-là sont portés disparus. C'est un simple hasard. Et si c'est une affaire de sorcellerie, c'est que je ne connais rien. Moi, je connais rien. Des enfants portés disparus depuis près de 2 semaines. Deux hypothèses sont avancées. On dit que les enfants auraient été enlevés. Et une autre hypothèse qui triomphe, selon laquelle on aurait fait des pratiques mystiques pour obtenir la disparition des enfants dans la forêt. Qu'en pensez-vous concrètement? Quelle est votre lecture de la situation, comme ça de prime abord? De prime abord, il faudrait garder à l'esprit que les deux cas sont possibles. C'est-à-dire que les deux cas relèvent de la réalité. Et il se trouve que l'éducation que nous avons reçue à travers l'école des diplômes offre un champ de cécité important par rapport à la compréhension d'un ensemble de phénomènes normaux qui relèvent du surnaturel, qui relèvent de la parapsychologie ou du métaphysique, de la métaphysique. Mais c'est des phénomènes normaux, puisque de toute façon, le réel n'est pas que matériel, le réel n'est pas que rationnel. Et l'Afrique est le socle
n'est-ce pas, de ces énergies, le socle de ces pratiques, le socle de ces usages et de ces rites. Vous vous souvenez sans doute de la série Stargate diffusée sur la télévision nationale camerounaise dans les années 96-97 avec sa fameuse porte des étoiles. La porte des étoiles, véritable point d'achoppement sur laquelle les ennemis du héros de la série butaient alors que l'acteur principal, pris en chasse par ses pourfendeurs, s'échappait avec toute son équipe en passant par une baie invisible pratiquée dans le vide pour accéder à l'au-delà. Ils étaient spéciaux et assumaient bien leur rôle. Sauf que cette fiction qui, dans la série Stargate, relevait de l'imaginaire n'a aucune place prépondérante dans la scène relevant du mystère survenu au Cameroun à Balunga par Mwako dans la Sanaga maritime où la réalité va dépasser la fiction. Des coquilles vides d'huîtres et d'escargots bruissent en un frisson rapide lorsqu'on pose le pied. Des monticules de coquillages surmontent l'arrière des cases en matériaux provisoires. À ces enveloppes de calcaire qui recouvrent le corps de la plupart des mollusques et d'autres animaux aquatiques, ainsi qu'ici le sol, Balunga doit son identité. Ici, on se nourrit essentiellement d'huîtres et d'escargots. Ici à Balunga, petit village côtier en lisière d'un vaste étendu d'eau et de la forêt vierge que les villageois farfouillent de jour comme de nuit, sous la pluie, sous le soleil, à la recherche d'escargots destinés à la vente ou à la consommation propre. À Balunga, la chasse aux huîtres et aux escargots accourt d'une manière normale et habituelle, si bien que même les enfants s'y prêtent sans risque ni danger. Or, vendredi le 30 août 2013, une clameur se fait entendre. Neuf enfants disparaissent dans la forêt au cours d'une simple chasse aux escargots. Entrée en brousse en début de matinée, Sapi Catherine, 12 ans, la plus âgée, Sopo François, 6 ans, le moins âgé, et les autres sont restés dans la forêt sans nouvelles. Habituellement, la chasse ne dure que 2 heures, tout au plus, et depuis le matin, ils ne sont pas rentrés au village. Il est 16 heures et les parents sont inquiets. Au début, c'était vendredi que les enfants sont partis en brousse pour chercher évidemment les cerises et les escargots. Bon, ça c'est une activité que les enfants mènent tout le temps, chaque fois, et c'est comme une partie de sport pour eux. Bon, quand ils sont partis, ils étaient déjà environ 8h, 9h par là, qu'ils sont partis derrière la maison. Bon. Sachant bien sûr que quand ils partent, ils font 1h, 2h et puis ils reviennent. Parce que c'est comme ça d'habitude ce qui se passe. Alors, ils sont partis ce jour-là pour ne plus revenir. Bon, c'est aux environs de midi 14 que je me rends compte que les enfants, on avait quelque chose à faire ensemble, ils ne reviennent pas encore. Alors, je commence à m'impatienter, à m'inquiéter même d'ailleurs. Et vers 15h, alors, j'ai dit, mais c'est pas possible, ce n'est plus là où je peux encore rester attendre. Le sieur Benga Mukolo a 3 enfants parmi les 9 introuvables. Son angoisse ne fait que grandir et c'est alors qu'il effectue avec quelques proches une petite battue dans la forêt et ses recherches s'avèrent infructueuses. Bon, maintenant, je me donne la pression que, mais attends, il est déjà 15h, il se présente, les enfants ne sont pas encore sortis. Essayons de prendre les... Moi, j'ai pris une vieille casserole avec un goudin pour faire... Enfin, j'ai pris les enfants, dit, mes petits, bon, allons en brousse, on va essayer de taper. Bon, s'ils sont un peu loin, ils vont sentir que, bon, il y a des bruits, ils vont revenir là où le bruit se fait sentir. On avait aussi un truc qui fait pou, pou, pou. Quand on se fait ça, l'écho va très loin. On a essayé de 16h jusqu'à 18h30. Nous sommes sortis parce que la nuit était déjà, la brousse était déjà noire. Nous sommes sortis. Bon, j'ai un petit machin dans chez moi. Bon, j'ai pris, quand ils sont rentrés, j'ai pris des torches. Oui. Que, au moins, j'ai pris 8 torches que j'ai distribuées. J'ai chargé des pines. J'ai dit, bon, ok, comme on n'a pas vu, et c'est encore de repartir. Bon, à ce moment, nous étions peut-être déjà à 10 ou 12 personnes. Hein, parce que tout le village était déjà était déjà au courant. Ils sont encore repartis donc, en ce moment, vers les 18h30, 19h, avec chacun avec une torche. On n'a pas touché donc,
tout le derrière, c'est-à-dire tout le derrière de notre brousse là, jusqu'à aller même au niveau de là où l'eau était. Bon, enfin, les marécages, là où le marécage était, rien. Ils sont revenus de la brousse à 23 heures, sans suite. Tout le village est alors alerté par cette triste actualité. Certains enfants plus âgés témoignent avoir renoncé le matin à une chasse aux escargots dans la forêt, lorsqu'à un certain niveau, ils auraient été effrayés par un phénomène étrange. Les aînés étaient à 5. Hein? Ils avaient entre 18 ans, 17 ans, voilà. Ils sont non sortis. Quand je les demande, est-ce que vous n'avez pas vu des enfants là-bas? Même les bruits, vous n'avez pas entendu? Non, ils disent non, vous n'avez pas entendu. Quand il a plu, ils ont vu que la forêt était déjà un peu trop noire. Allez, ils ont vu le large. C'est là où ils vous racontent que... C'est là où ils nous racontent qu'ils n'ont pas vu les enfants. Et quand ils sont restés dans la forêt c'est... C'est obscurci, subitement comme ça là. Et ils ont même failli perdre la route aussi. C'est-à-dire qu'ils ont failli, s'ils n'étaient pas vigilants, ils devaient se retrouver aussi peut-être... Ça, c'est ce qui s'est passé avec eux. Tout le village se mobilise. La forêt est passée au peigne fin, mais rien ne filtre. La nuit tombée, les enfants sont toujours sans nouvelles. Les recherches sont momentanément interrompues. Les pisteurs retournent au village sans les enfants. Et c'est la consternation totale. Balunga a perdu le sommeil. Le 2 septembre, 3 jours après la disparition des enfants, les villageois ont en vain farfouillé toute la forêt et à plusieurs reprises. La tension perceptible dans le village est à la hauteur des chances de retrouver les enfants vivants qui s'amenuisent avec le temps qui passe. Le sieur Benga Mukolo rédige alors une correspondance adressée au procureur de la République près les tribunaux des déhés de la Sanaga maritime. Il est question d'informer les autorités administratives et judiciaires de cette scabreuse affaire. Une affaire de disparition des enfants. 9 enfants, dont 5 garçons et 3 filles. C'est cette fameuse missive qui fait le tour des rédactions et alerte la République tout entière. Lundi matin, j'ai dit, ok, je vais saisir maintenant le procureur de la République. C'est ce que j'ai fait. Il m'a demandé, le substitut m'a demandé de rédiger une lettre pour présenter ça au procureur. C'est ce que j'ai fait dans les minutes qui suivaient, j'ai fait et j'ai présenté ça au procureur. Bon, le procureur n'était même pas là. Quand il a suivi ça, quand son substitut a dit, il a appelé le téléphone. Il paraît qu'il était, lorsque le ministre Bapes Fassès était là en tournée, il était peut-être en tournée. Il a fait demi-tour pour vraiment voir ce qui se passe, c'est-à-dire quand on entend que 9 enfants ont disparu. L'opinion nationale et internationale se saisit de l'affaire. Les autorités de l'arrondissement de Mwanko ont elles aussi effectué des multiples descentes pour porter main forte aux populations. La pression est débordante. Dans le village, les uns et les autres se rejettent la faute. Des rites traditionnels sont initiés en vain. Mais une révélation va attribuer à l'affaire un tournant décisif. Et Tongue Benjamin, le chef du village, est pointé du doigt. Un dignitaire l'accuse d'être à l'origine de la disparition des enfants. Il a dit, lui il reconnaît, il sait ce qui s'est passé. Il a commencé à dire maintenant ce qui s'est passé réellement. Il dit, ce jour-là ils étaient à 3, et le chef lui a fait appel, il a aussi fait à leur troisième complice, bon, pour qu'ils arrêtent passer des enfants, ils sont partis en bourse, il faut qu'ils arrêtent des enfants. Lui il dit, qu'il a dit au chef qu'il ne veut pas, il ne veut pas cette affaire-là. Le chef dit que j'ai été dans l'ordre, attachez-moi ces enfants. Et il a exécuté l'ordre de son chef. Ils ont donc fait ce forfait. Bon, maintenant, à la gendarmerie, on les a demandé. Bon, venez donc maintenant nous montrer là où vous avez attaché les enfants. Justement, quand ils sont venus, il les a conduits derrière la maison, là où les enfants sont partis, sont entrés en brousse. Il a dit, bon, c'est sur cette table-là que nous avons attaché les enfants. Et avec, à l'aide d'une corde noire, d'un fil noir, fil à tresser, c'est avec ça qu'il codait, donc leur troisième complice, a retenu les enfants en brousse. La tension enfle d'un cran. Des marches sont organisées dans le village contre le chef traditionnel que l'on accuse d'être l'instigateur des pratiques de sorcellerie à l'origine de la disparition miraculeuse des enfants. Les parents de ces enfants
marche en tenue d'Adam et Ève. Et ce week-end-là, Balunga est au bord de l'implosion, nécessitant une mobilisation de grande envergure. La deuxième région de gendarmerie se mobilise alors. Le 5 septembre, le colonel Robert Pilot, commandant de la deuxième région de gendarmerie, effectue à Balunga une descente musclée. Derrière lui, le chef d'escadron Bonabé André, du service central de recherche judiciaire et de lutte contre la grande criminalité, et Étienne Célestin Zambo-Guema, commandant de l'escadron régional d'intervention de gendarmerie nationale numéro 2. Sur place, les fins limiers envisagent l'hypothèse d'un probable enlèvement. La zone de Mouanko ayant été dans un passé récent, désignée comme étant la plaque tournante des exactions de cette nature. Une manœuvre est organisée sur le plan d'eau et dans la brousse pour procéder à la fouille de toutes les pêcheries et autres lieux suspectés pouvant abriter ces enfants. Le lendemain, le général Salim Ramadou, commandant de la 2e région militaire interarmée, envoie sur place un contingent du BI. Le sous-préfet de Mouanko, présent sur les lieux, demande à Robert Pilot la logistique nécessaire à l'opération. Pour répondre à cette demande, le colonel comme région 2 lui remet une somme de 100 000 francs CFA pour la motivation des chercheurs pisteurs et 80 autres 1000 francs CFA pour la location de l'embarcation et la rémunération du pilote de l'embarcation. Ce jour-là, le préfet de la Sanaga Maritime, Jean-Eddy Abaté, et Joseph Betty Assomo, gouverneur de la région littorale, se succèdent sur place. Les deux autorités descendent elles aussi dans la forêt. Elles sont venues voir, coordonner les opérations, toucher du doigt l'ampleur de la situation. Les recherches se poursuivent pour retrouver ces 9 enfants. Il faut peut-être rappeler les circonstances de ce qui est en train de se vivre ici. Vendredi dernier, 30 août, 9 enfants âgés de 6 à 12 ans sont entrés dans la brousse au village de Bolunga, dans le canton Malimba-Océan, ici dans l'arrondissement de Mouanko, pour aller chercher, nous dit-on, des escargots à vendre. Comme cela arrive, des petites activités de vacances qui procurent un peu d'argent aux enfants. Et ces enfants ne sont pas revenus de la brousse. Pendant 48 heures, la forêt est une fois de plus fouillée de fond en comble, mais en vain. La gendarmerie organise une réunion rassemblant le chef Benjamin Etongué et ses notables pour les soumettre à un interrogatoire musclé. Au cours de la dite réunion, les déclarations de l'un des notables faisant partie des 3 suspects reprécisent la piste du mystère. Le notable en question que voici passe aux aveux complets devant la gendarmerie et dévoile le prétendu complot orchestré selon lui par le chef au cours d'une réunion secrète et hautement mystique. L'intéressé décrit jusqu'au moindre détail les termes du rite et des pratiques mystiques qui ont abouti à la disparition des enfants. C'est le chef, Benjamin Etongué, qui nous a demandé de faire ça. Il nous a convoqués à une réunion secrète. C'était dans la nuit. Il a dit qu'il fallait faire des pratiques pour que 9 enfants du village disparaissent dans la forêt. Nous lui avons demandé pourquoi il n'a pas voulu répondre. C'est lui le chef. Nous nous sommes exécutés. Il fallait d'abord faire des pratiques pour que ce jour-là, un groupe de 9 enfants, pas plus ni moins, entre tous ensemble dans la forêt. Nous avons pratiqué sur l'endroit où il devait passer. Ensuite, nous avons pratiqué de la magie sur le baobab juste à côté. Quand les enfants sont passés à 9, nous avons attaché un fil noir derrière eux. Et ils ont disparu dans la forêt. La forêt les a avalés. Le chef peut faire revenir, mais il attend que ces enfants-là meurent. Pour être sûr de l'avoir bien dénoncé, il va se lever devant l'assemblée, tenir le chef par la main, afin que tout le monde présent puisse l'identifier. Or, malgré cette défection, Benjamin Etongué nie en bloc toutes les révélations qui l'accablent.
ce qu'on raconte sur moi n'est pas la vérité. Je ne suis pas un sorcier. Je ne connais rien. Moi, je ne connais rien. Je suis innocent. Ces enfants-là sont portés disparus. C'est un simple hasard. Et si c'est une affaire de sorcellerie, c'est que je ne connais rien. Moi, je ne connais rien. J'ai dit que l'on fasse des rites traditionnels. Pourquoi ils ont refusé? Moi, je ne connais rien. J'ai déjà dit, je ne connais rien. Il faut qu'on aille en Kanzo, chez le marabout. Il faut aller en Kanzo. Moi, j'ai dit que chacun est dans la forêt chercher les herbes pour faire les pratiques. Pour que si quelqu'un sait si là où sont passés les enfants, que ça l'entraîne. Ils ont tous refusé. Ils viennent à la chefferie. Ils me tabassent. Ils me fouettent. Comme si j'étais un enfant. Ils disent que j'ai fait la magie. J'ai fait la magie. On fait la magie comment pour que les enfants là disparaissent? Moi, je ne connais rien. J'ai dit, je ne connais rien. Et je l'ai dit au sous-préfet. J'ai dit ça à la gendarmerie. Je ne connais rien. Selon le notable accusateur, qui décrit toutes les méthodes et autres procédés magiques mis en œuvre pour que les 8 enfants disparaissent dans la forêt, il fallait faire un rituel incantatoire devant aboutir à l'obtention du chiffre 9. 9 sujets qui allaient s'unir pour entrer dans la forêt tous ensemble, à la fois et passant par une haie mystiquement magnétisée. La haie en question, la voici. Quand les enfants allaient traverser la haie, l'un des présumés sorciers allait procéder au dernier rituel en attachant un fil noir sur la même haie pour sceller le sort des enfants. Le baobab ici dressé aura été, selon les mêmes allégations, magnétisé dans le but d'absorber l'aura des enfants condamnés à mourir dans la forêt. La gendarmerie procède à une reconstitution des faits et lance alors un ultimatum. À ce stade des recherches et des enquêtes, toutes les pistes ont été épiées. La gendarmerie, soucieuse d'en découdre avec cette affaire qui gicle à l'extérieur du pays une mauvaise image du Cameroun, a agi dans l'observation attentive des pistes pour découvrir la vérité. Mais rien n'a filtré jusqu'à présent. Les 9 enfants sont toujours dans le ventre de la forêt. Robert Pilot rapplique à Douala, mais avant de partir, il lance un ultimatum. Il promet de revenir dans quelques jours dans l'unique et ultime but de retrouver les enfants tous vivants. Ce jour-là, c'est le 10 septembre 2013. Robert Pilot n'est pas seul. Il est avec le général de division, commandant de la 2e région militaire interarmée, Salim Mohamadou. Le même jour, l'agenda de Joseph Bétier Assomo, gouverneur de la région du littoral, prévoit une descente musclée à Bolunga. Jean-Eddy Abaté, préfet de la Sanaga-Maritime, compte lui aussi y effectuer une descente le même jour. Le premier convoi parti de Douala décolle à 8h du matin. Il est constitué du patron de la 2e région militaire interarmée Salim Ramadou, du patron de la 2e région de gendarmerie Pilo Robert, des personnels du GEPIC et du BIR. Et il s'ébranle à 9h et quelques minutes devant la cour de la résidence du sous-préfet de Mwanko. À l'intérieur de la maison, allongée sur un canapé, une petite fille à l'état préoccupant. Elle est physiquement amoindrie par une lourde fatigue s'étant abattue sur elle. Des lésions partout sur son corps. Elle est sous assistance médicale. L'enfant est victime d'une déshydratation aiguë. Elle, c'est Sapi Catherine, 12 ans. Catherine faisait partie des 9 enfants portés disparus. Elle réalise à peine son retour dans une civilisation qui hier était pourtant la sienne. Tellement, les 11 jours passés dans la forêt étaient longs et interminables. Et à quelques minutes qu'elle a été retrouvée. Or, l'histoire de sa retrouvaille dégage quelque chose d'irrationnel. C'est une dame, affirme les riverains, qui aurait découvert les enfants dans la forêt, à un endroit où l'armée et la gendarmerie étaient passées et repassées. La dame en question, la voici. Elle, c'est Maniaka Madeleine. On dit dans le village qu'elle est une personne douée d'une grande puissance. Son immersion de la forêt se fait avec la petite Sapi Madeleine. Elle dit avoir livré un grand combat avec les sorciers pour que les enfants puissent être retrouvés. C'est encore elle qui informera de ce que l'un des 9 enfants ne sortira pas vivant de la forêt. À cette étape décisive, les parents sont inquiets. Sa prédiction,
prise pour argent comptant. Qu'est-ce qu'elle a dit, la maman? La maman, quand elle est sortie, on a essayé de l'interpréter. Oui. Elle a dit qu'elle a trop bagarré pour les enfants. Oui. Donc, elle n'a pas eu la force pour sortir avec tous les enfants parce qu'il y a les marécages. Oui. Elle a fait les efforts de les entasser d'un coin. Que partent, ils entrent à gauche, ils vont retrouver les enfants. Ils ont encore la force de reprendre, qu'ils entrent en appelant. Et elle dit qu'il y a un enfant qui est décédé? Oui, c'est ce qu'elle nous a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que l'enfant est décédé. Sûrement, l'enfant, elle est quittée entre ses mains, elle n'a plus compris. L'enfant partait en appelant grand-mère. Elle ne sait plus comment est-ce que l'enfant a fait. Et l'enfant? Donc, elle n'a plus vu cet enfant avec elle. Donc, elle est restée avec 8. Sur les 8, elle est sortie avec un. Donc, il y a là-bas 7 enfants. Oui, 7 enfants. Et le corps de l'enfant qui est décédé, on ne l'a pas? Ah, de là-bas, on ne l'a pas connu. On n'a pas essayé de la demander tout ça. Donc. On a demandé comment est-ce que les enfants vivaient là-bas. Elle dit que les enfants vivaient bien, mais seulement que, pas de force, mais les jumeaux qui sont là, ils ne mangeaient pas les nourritures qu'on leur donnait là-bas. De qui? Qui leur donnait la nourriture? Les sorciers. Les gens qui voyaient avec eux, ils bagarraient avec eux. Donc, vous avez 3 enfants parmi. Oui, allez-y, répétez. Vous avez 3 enfants. Les jumeaux et une petite là, qui a 9 ans. Jumeaux ont 12 ans. D'accord. J'ai demandé à la maman si mes enfants vivaient. Elle m'a dit oui, les enfants sont morts devant. Mais elle sait qu'il y a un qui a disparu entre ses mains. Donc, sûrement, l'enfant a dit, là, cet enfant est décédé. D'accord. Merci, madame. Aujourd'hui, nous avons retrouvé l'une des filles. La petite fille est âgée de 12 ans, élève en classe de CM2. Et actuellement, l'équipe dirigée par le RMIA 2, le général Mohamed Oussali et le colonel Robert Pilot, actuellement est en train de se diriger vers la forêt équatoriale pour la poursuite de la recherche de ses enfants. Et l'on espère qu'au bout de 2 jours de recherche, peut-être que l'on finira par trouver les 8 disparus restants. Du coup, Pilo Robert ordonne que la dame soit conduite à Moanco pour le besoin d'enquête. Au cours de l'exploitation, elle indique où les autres enfants se trouvent dans la forêt. Les recherches engagées, elles se font conjointement avec les pisteurs-chasseurs, la gendarmerie et le BIR. On est venu chercher ces enfants, les 9 disparus. Et grâce à Dieu, nous rencontrons, il y a une des filles qui est sortie, qui s'appelle Madeleine. Madeleine vient de sortir, une fille de 9 ans. Alors, elle parle très bien, mais elle a l'air fatiguée, déshydratée. Elle est actuellement entre les mains du service médical qui s'occupe d'elle. Mais elle nous a dit qu'elle reconnaît qu'il y a un endroit où il y a les autres. Nous sommes dans la forêt ici. Malheureusement, elle n'est pas là, la petite. Et la femme même qui l'a récupérée n'est pas là. Mais nous allons organiser une battue. On va essayer de la récupérer après l'avoir remontée un petit peu, la ramener ici. Et puis nous allons continuer la recherche avec tout le monde. Voici le jeune homme qui annonce la bonne nouvelle au village. Les enfants sont en route pour le village.
Une qui est d'abord sortie avec la maman. Là. Mmh. Il y a une qui est morte. Il y a un garçon qui est mort. Elle est où? Non, on n'a pas retrouvé le corps. L'autre corps, on n'a pas vu. On n'a pas vu. C'est les enfants là qui ont dit? Oui. Qu'on a demandé à l'enfant là de ne pas traverser le barricage. Donc lui dit qu'il va traverser pour aller suivre sa grand-mère. Donc il a alors traversé. Monsieur, entre d'abord. Entouré du marécage. Entouré. Entouré. Le marécage était partout. On a le marécage jusqu'ici pour aller. C'était vraiment... Celle qui est morte, c'est une fille. Mais, non, s'il vous plaît. Il s'est emporté de sa soeur. Bah, voilà ma fille. Il me dit qu'ils se sont disloqués samedi passé. Il dit qu'il va, il va chez sa grand-mère. Mais je suis sûr que cet enfant va sortir. Va la grâce à Dieu. La femme n'est pas morte. S'il vous plaît, envoyez les éléments en bourse. Dieu n'a pas vu le corps. On n'a pas vu le corps. L'enfant est en bourse. Donc, il est encore en bourse. Il faut des guideurs, des guideurs. Oui, en effet, vous voyez cet état-ci. Il faut envoyer des éléments en bourse. Ouais, bon, on va avec vous. On évacue d'abord. On évacue. Ah, j'ai trois enfants dedans. Là. Ouais. J'ai trois enfants. Ouais. 7 des 9 portés disparus sont retrouvés. Net à l'endroit indiqué par Mania Kamadelaine. De même, sa prédiction se vérifie. Le 9e enfant n'a pas été retrouvé. Cet enfant n'est personne d'autre que le petit Moi Miangel Ejen, 11 ans. Sa mère est inconsolable. Les enfants sont immédiatement placés sous assistance médicale. Leur état est préoccupant, mais les supputations vont bon train. L'un des pisteurs chasseurs déplore le fait de n'avoir pas respecté les recommandations de Dame Maniaka. Et il ne voudrait plus retourner dans la forêt de peur d'être foudroyé par les esprits. Selon lui, c'est une étoffe laissée par la dame qui protégeait et orientait les enfants, les villageois et les gendarmes et militaires entrés dans la forêt. Là où on a retrouvé les enfants, oui. Elle avait couvé les enfants avec un paille. Bon, maintenant alors, pourquoi est-ce qu'on a eu à récupérer les enfants, on a laissé le paille là? Je ne sais donc pas. Les gens qui s'étaient avancés, ce sont eux. Parce que à travers nos cris, quand on rentrait, quand on venait, c'était nous qui avions montré la route qui menait vers là-bas. Je ne sais donc pas si on va retrouver. Mais selon vous, à quoi c'est le pain? À quoi servirait le pain? Non, on ne sait pas. Hein. Elle a éclairci que le pain qu'elle avait couru, il fallait qu'on ramène ça avec les enfants. Donc les gens ont eu à laisser le pain et amener les enfants. C'est okay. Donc pas. Mais teigneux, les fins limiers décident de rentrer en brousse parce que la préoccupation reste grande. Il faut retrouver le petit Eugène. Approchez. Approchez. Venez le jeune là. Venez. Ouais, nous sommes là. Bien la zone, venez ici. Nous sommes là, ouais. Venez là, ici, si t'as déjà bien. On repart là-bas une fois pour toutes pour une dernière solidarité. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est, mon général? Mais on a retrouvé 8 sur 9. Alors le 9e, tantôt on nous dit qu'il est mort, tantôt il a disparu, il s'est désolidarisé de ses camarades, de ses camarades depuis hier, sous prétexte qu'il va chez sa grand-mère. Alors s'il était mort, il faut qu'on retrouve le corps. S'il n'est pas mort, c'est pour cela que je demande à tout le monde qu'on reparte en zone. Toutes les forces vives du village, y compris les métiers qui sont là, les forces de maintien, l'autre qui sont là, nous repartons faire encore une dernière battue pour revoir l'endroit où on peut éventuellement retrouver ou le corps de Eugène qui reste ou lui-même. Vous avez vu dans quel état ils sont sortis, ils sont très fatigués. Donc ne perdons pas le temps. On y va. Yalla, allez, on y va, on va là-bas. L'opération de ratissage, bon, il s'agit d'une action conjointe BIR Gendarmerie aidée par les pisteurs. Oui. Bon, nous allons nous répartir en 4 groupes et le 4e groupe ira par voie fluviale. Oui. Bon, d'ici 17h, nous espérons aboutir à quelque chose. Les ordres du général et du colonel trouvent une petite résistance côté chasseurs-pisteurs.
pour les encourager, le colonel Robert Pilot leur remet une somme de 100 000 francs CFA. Mais les fouilles se poursuivent et la dernière battue de la journée qui va s'achever tard le soir reste infructueuse. Le petit Eugène est toujours introuvable. La nouvelle trouvaille des 8 autres enfants se répand comme une traînée de poudre. Joseph Betty assomme le gouverneur et Jean-Eddy Abatté, le préfet, apprennent la bonne nouvelle alors qu'ils sont déjà en route en train de se rendre à Bolunga. Sur place, l'état des enfants commande qu'ils soient conduits à Edeya pour une prise en charge médicale et le gouverneur va l'autoriser. Certainement, sur les 9 enfants disparus depuis le 30 août dernier, 8 ont été retrouvés. Ils sont affaiblis, déshydratés, dénutris, mais ils sont conscients et lucides. Ils ont été pris en charge immédiatement par nos équipes médicales. Au médecin-chef du centre médical d'arrondissement de Monco, qui a fait ce qu'il pouvait faire à son niveau. Et tout à l'heure, ils vont être immédiatement transférés à l'hôpital régional annexe d'Edea pour une prise en charge gratuite d'un niveau supérieur. Et s'il y a des cas compliqués à Edea, ceux-ci pourront être évacués vers l'hôpital général de Douala, gratuitement, toujours, il faut le préciser. Depuis le début de cette scabreuse affaire, la disparition des 9 enfants dans la forêt au cours d'une simple chasse aux escargots, les enquêtes menées par la gendarmerie et les faits relevés sur le terrain opposent deux hypothèses. Celle d'un probable enlèvement et celle des pratiques de sorcellerie ayant conduit à la disparition des enfants. Si à ce stade de l'affaire, plusieurs suspects ont déjà été interpellés, il reste que le dernier enfant, le petit Eugène, reste sans nouvelles, malgré les fouilles qui se font, alors que l'espoir de le retrouver vivant semble perdu. Un rapport secret adressé au plus haut commandement renseigne que dans le village Bolunga, les disparitions de personnes dans la forêt se font quelquefois signaler. Des gens restent parfois sans nouvelles dans la forêt, ressortant plusieurs mois après, ne jouissant plus de leur faculté mentale alors que l'on les croyait déjà morts. Ce n'est pas la première fois, vous dites que de telles disparitions surviennent à Bolunga. Il y a, non pas à Bolunga, à Malimba. C'est pas à Bolunga, c'est à Malimba. Bolunga, c'est un village de Malimba. Bon, cette disparition, il y a une disparition comme ça. Deux jeunes gens, âgés environ de 20, une vingtaine d'années, sont partis en brousse. Ils ont disparu, ils ont fait 2 jours. À leur sortie, ils sont sortis normaux. Bon. Mais quelques temps après, il y a quelques mois après, un qui a commencé à. Enfin, il a commencé à péter le plomb aujourd'hui. Je peux dire qu'il est faux. Il n'est plus normal, il est cinglé. Il est cinglé parce qu'il n'a pas eu une suivi après la brousse, il n'a pas eu une suivi parce qu'il est aussi retenu par les mêmes maléfiques en brousse. Bon, il y a l'autre, sa maman a eu des problèmes d'esprit, sortir avec lui. Sa maman était d'origine Bassa, elle sortait avec son fils. Bon, son fils, lui, il est normal. Jusqu'aujourd'hui, il met plus pied à Malimba. Jusqu'aujourd'hui, il ne met plus pied à Malimba. Après qu'il a eu ce coup-là, il ne met plus pied à Malimba. Lui, il est normal. Parce que sa maman a pris le soin de l'amener pour les soins des traducteurs praticiens. Merci. Donc, c'est ça alors, que j'ai donc peur aujourd'hui, que mes enfants, vraiment, c'est pourquoi je demande encore qu'il faut qu'on voit encore beaucoup de choses à faire sur ces enfants. Et leur encadrement est encore nécessaire dans tous les angles, dans tous les niveaux. Et je me réserve alors sur ce côté-là de ne pas trop me prononcer sur ça. Quel mystère se cache-t-il derrière cette forêt carnivale et les disparitions multiples mises à son actif? Des informations collectées à bonne source révèlent que lorsque l'affaire éclate, les enquêtes de la gendarmerie les ont conduits à suivre les traces d'une dame de nationalité nigériane
arrivé à Douala le 27 août 2013. Les mêmes sources nous apprennent que la dame en question aurait contacté 4 Camerounais, dont 2 originaires de Madoka. À ces derniers, elle aurait passé la commande de plusieurs enfants à bas âge. Les enfants, exigés selon une feuille de commande bien détaillée, étaient destinés à des séances initiatiques du vaudou au Bénin. Or, le dispositif déployé par la gendarmerie et le BIR pour détruire ce réseau, les investigations menées sur le terrain n'établissent jusqu'à présent aucun lien avec l'affaire des 9 enfants disparus. Le politologue Guy Parfait Songuet a suivi de près cette actualité. Nous l'avons approché pour essayer de démêler les chevaux. Mais l'homme, réputé pour sa langue fourchue, n'écarte aucune piste. Des enfants portés disparus depuis près de 2 semaines. 2 hypothèses sont avancées. On dit que les enfants auraient été enlevés et une autre hypothèse qui triomphe, selon laquelle on aurait fait des pratiques mystiques pour obtenir la disparition des enfants dans la forêt. Qu'en pensez-vous concrètement? Quelle est votre lecture de la situation, comme ça de prime abord? De prime abord, il faudrait garder à l'esprit que les 2 cas sont possibles. C'est-à-dire que les 2 cas relèvent de la réalité. Et il se trouve que l'éducation que nous avons reçue à travers l'école des diplômes offre un champ de cécité important par rapport à la compréhension d'un ensemble de phénomènes normaux qui relèvent du surnaturel, qui relèvent de la parapsychologie ou du métaphysique, de la métaphysique. Mais c'est des phénomènes normaux, puisque de toute façon, le réel n'est pas que matériel, le réel n'est pas que, n'est pas que rationnel. Et l'Afrique est le socle, n'est-ce pas, de ces énergies, le socle de ces pratiques, le socle de ces usages et de ces rites. Parce que fondamentalement, les traditions sont restées, les souches sont restées, les habitudes sont restées. Donc d'un côté, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure tant qu'on n'a pas achevé l'enquête sur cette question. De l'autre, aujourd'hui, on sait qu'il existe des pratiques relevant à la fois de la vente des ossements humains, de la vente d'organes humains, de la vente même d'enfants, de trafic d'enfants, qui sont des pratiques réelles aujourd'hui que le gouvernement essaye de combattre. Et ces pratiques relèvent aussi de la réalité. Le problème, à mon humble avis, c'est qu'il faudrait que l'on creuse suffisamment pour savoir jusqu'où une thèse ou l'autre a préséance sur une autre pour qu'on sache concrètement ce qui s'est passé. Sur la base des éléments qu'on a, on sait par exemple que il n'est pas théoriquement évident qu'un enfant, même un adulte, reste 3 jours sans boire et qui n'en meurt pas. Après 3 jours, déjà le métabolisme de l'organisme humain commence à lâcher et si vous faites 3 jours sans boire, sans manger, il y a de très fortes chances que vous ne suiviez pas. Il y a quelques cas d'exception. On a vu à travers les catastrophes comment certaines personnes sont restées, comme les enfants, 11 jours coincés quelque part, sans manger, sans boire. Encore que ce n'est même pas vrai. Je prends le cas d'une catastrophe qui a eu lieu, n'est-ce pas, en Corée du Sud. La femme qu'on a retrouvée 11 jours après, elle buvait, quoique étant coincée là, l'eau de pluie qui arrivait à son visage. Donc elle avait quand même la capacité de s'hydrater. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Il est tout à fait possible que la théorie, la thèse suivant laquelle il y a eu des pratiques mystiques au village ayant pour but d'avaler les enfants ou de les tuer ou de les vendre pour une autre dimension, que cette thèse soit plausible, qu'elle soit réelle. Maintenant, il faudrait savoir jusqu'à quel point on peut pousser pour avoir la véracité de cela. Je me permets d'analyser la question sous cet axe parce que le droit camerounais reconnaît la sorcellerie. Donc, il ne faut pas que les gens croient que c'est de la spéculation. Non, le droit camerounais reconnaît la sorcellerie, donc on sait, d'un point de vue légal, qu'elle existe. On va y aller. De l'autre côté, il faudrait maintenant avoir des éléments concrets qui permettent de savoir quels sont les acteurs, quels sont les intervenants. On parle d'une femme nue qui a été dans la forêt, on parle des fils qu'on a attachés. Docteur, avant de revenir à cela, il faut dire que la gendarmerie était sur place. La gendarmerie, notamment la 2e région de gendarmerie littorale, a fait sur le terrain une reconstitution des faits qui a permis justement à ce que les notables passent aux aveux complets indiquant comme responsable, tenant pour responsable, le chef du village qui, selon ces notables, serait à l'origine des pratiques mystiques qui ont justement conduit à la disparition de ses enfants. Alors, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces aveux? Il faudrait savoir déjà que beaucoup de personnes, même dans cet environnement qui est censé être cadrillé par des personnes qui ont une parfaite maîtrise des dimensions ésotériques et des dimensions spirituelles, beaucoup de personnes peuvent faire preuve de mauvaise foi. Donc il ne faut pas prendre les déclarations des notables comme argent comptant, de prime abord.
De l'autre côté, il peut arriver que si ce n'est pas de la mauvaise foi, que ce soit une subjectivité conséquente à un certain nombre d'habitudes qui relèvent de la culture. Cet environnement-là est un environnement que je connais un peu, parce que de toute façon, c'est l'environnement des Bakoko que je connais un peu. Et il arrive très souvent que les gens aient une forte propension pour se faire intéressant de faire des déclarations gratuites et je vais même dire précipitées. Des pasteurs descendus sur place à Bolunga trouvent que cette affaire rocambolesque est liée à quelque chose de diabolique, à l'instar du révérend Catherine Pujol. C'est des œuvres du diable. Le diable est là. Par tous les moyens, les gens veulent avoir de l'argent. Même s'il faut vendre des gens, ils sont prêts à le faire. Et des enfants qui n'ont rien fait se retrouvent être des victimes. Et ça, c'est malheureux. L'état des enfants reste jusqu'à présent inquiétant. Profondément traumatisés, ils ne sont pas en même de décrire ce qui s'est réellement passé dans la forêt. Mais les enfants de Bengamukolo, qui faisaient partie des 9 disparus, ont confié après leur retrouvaille quelque chose à leur père qui semble renchérir la piste de la sorcellerie. Qu'est-ce que vos enfants vous racontent aujourd'hui, puisque on nous a dit que les enfants étaient entre des mains mystiques? Bon, les enfants, lorsqu'on les a retrouvés, bon, moi j'ai évité de trop poser les questions aux enfants, mais quand j'ai porté ma fille, j'ai commencé à poser la question, mais écoute, qu'est-ce que vous mangez là-bas? Et il me dit, qu'on ne mangeait rien, mais simplement, parfois on rêvait comme si on venait prendre les biscuits dans la boutique, on rêvait comme si on venait prendre les miondo dans la cuisine, on rêvait comme si on venait prendre les mitumba dans la cuisine. Bon, c'est de ça qu'ils mangeaient, dans leur rêve là-bas. Hein? Bon. J'essaie de regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Bon, je ne sais pas très très bien. Bon, qu'est-ce que vous faisiez là-bas en brousse? Non, tout le temps. Elle me dit d'abord qu'au premier jour, ce vendredi-là, ils ont vu, on a une maman à côté là avec sa fille qui était chercher le bois en brousse. Les enfants ont bien vu cette maman et sa fille avec les fagots de bois en brousse. Mais lorsque. Quand ils disent tout doux, Diobane, pardon, viens. La maman ne comprenait pas. Quand ils essayaient en même temps de suivre la maman, tout de suite ils voyaient les herbes devant eux, et après les herbes, un noir. Ils sont coupés de ce monde. Bon, ils ont dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui les arrive? Et chaque fois, ils entendaient nos voix. Quand on les appelait, quand on faisait du bruit en brousse, ils entendaient, ils répondaient, mais. On n'entendait pas, mais ils nous entendaient. Parfois, ils me disent qu'ils ont vu un jeune homme. Pendant les recherches, quoi, ils étaient habillés en vert, l'autre était habillé en rouge. On dit, ah, tiens, si, il y a eu comme ça, un jour comme ça, tel était habillé en vert. Ils ont bien vu. Mais quand ils voulaient donc venir vers ces gars-là, ils étaient tous coupés. Et chaque nuit alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vivaient donc une bastonnade atroce qu'on les infligeait chaque nuit. Chaque nuit, ils voyaient. Ils ressentaient les coups de fouet sur eux, mais ils ne voyaient pas la personne qui les fouettait. C'est ce qui explique qu'ils sortaient de la forêt. Si. Quand je m'expliquais que c'est quand comme ça. Ils sortaient de la forêt, il y avait des. Bien sûr, il y avait encore ça présent, ça se voit encore, comme c'est même guéri, mais ça se voit encore. On les fouettait chaque soir. Bon, et qu'est-ce qui passait? Vous criez, mais si on criait, mais quand on voulait fuir. Quand on voulait fuir, on voulait courir. Parce que quand tu tapes un enfant sur un enfant, il peut quand même se défendre. Il voulait fuir. Quand il veut fuir, il se trouve devant une barrière des antilopes. Les antilopes qui les barraient, c'est-à-dire qu'ils faisaient une barrière. Quand ils arrivaient, c'est pas possible, ce sont des antilopes. On a une dame qui sort de la forêt, toute nue avec un bébé qu'elle tient entre les mains. Elle dit avoir bataillé pendant des jours avec des esprits. Auparavant, on a cette déclaration du notable qui dit que c'est le chef et autour de lui des personnes qui font l'unanimité, qui passent carrément aux aveux complets. Mais est-ce que vous pensez que de manière collective, les gens peuvent faire preuve de mauvaise foi contre un chef traditionnel alors que 9 enfants sont portés disparus? Dans notre tradition également, le chiffre 9 étant lui-même un chiffre assez mystérieux. Oui, dans la culture africaine, 9 souvent symbolise le pourrissement parce que 10 c'est la renaissance. Mais bon, je passe à d'autres considérations par rapport à cela. Oui, c'est possible qu'il y ait eu un complot contre le chef, pour des raisons que personne ne vous dira. Parce que de toute façon, c'est des gens qui sont dans un même micro-environnement et il doit avoir un certain nombre de conflits entre eux. Oui, c'est aussi possible que ce que les notables disent soit vrai.
C'est-à-dire que même si sur le plan de la rationalité des enquêtes menées par les services de camerounais, la police, la gendarmerie qui se sont impliqués là-dessus, ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour aller jusqu'au bout. C'est tout à fait possible. Je pense qu'il y a d'abord quelque chose qu'on peut creuser ensemble. On sait qu'on a cherché les enfants plusieurs fois à cet endroit où on les a trouvés. D'un point de vue de la parapsychologie, on peut expliquer que l'on puisse faire disparaître quelqu'un. C'est des questions d'état vibratoire. Et les gens qui le font en Afrique n'appellent pas ça comme ça. Mais la physique, la métaphysique, la parapsychologie ont déjà expliqué ce genre de phénomène dans lequel, en changeant l'état vibratoire d'un individu, on peut se faire passer du spectre du visible au spectre de l'invisible. Et quand je parle de spectre, je suis en pleine physique. C'est-à-dire que l'œil humain ne voit qu'entre 450 nanomètres et 700 nanomètres. Les radiations qui sont en dessous de 400 nanomètres, il ne les voit pas. Les radiations qui sont au-dessus de 700 nanomètres, il ne les voit pas. Ça veut pas dire que les choses qui sont dans ces spectres ne soient pas réelles. Elles sont réelles. C'est nous-mêmes, à travers la science, qui avons établi que l'infrarouge et l'ultraviolet existent. Or, c'est des spectres que nous ne voyons pas à l'œil nu. Bon, nous avons des animaux comme le chat, le chien, le serpent, qui ont un spectre beaucoup plus large que le nôtre sur l'appréciation, n'est-ce pas, du réel. Donc, il peut arriver que des gens soient physiquement présents quelque part parce qu'on a manipulé les radiations de spectre dans lequel ils sont, ils deviennent invisibles. Donc, ça, c'est la sorcellerie. Et quand on appelle ça sorcellerie, le terme n'est même pas correct. C'est que les gens utilisent des lois qui ne sont pas partagées. Le terme sorcellerie, dans un tel cas de figure, est excessif. C'est des lois naturelles que les gens connaissent. Ils savent comment pratiquer pour rendre des choses visibles ou invisibles. Donc, ça, c'est la première théorie, me semble, faisable, réelle et réaliste. Celle du fait qu'il y a eu un complot pour faire disparaître les enfants à des fins mystiques. La deuxième théorie, celle qui va avec la logique d'un trafic d'enfants, est une théorie qu'on ne peut pas ignorer. Parce qu'à partir du moment où le BIE et les autorités ont donné un ultimatum, il y a des gens qui ont pris peur. À partir du moment où les autorités en matière de sécurité ont pris des dispositions à encercler cet environnement, il y avait des gens qui certainement savaient qu'on pouvait les arrêter et ils ont lâché prise parce que sachant que s'ils poussent le bouchon trop loin, on va les arrêter, on va démanteler leur réseau. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce que techniquement, on a réussi à garder vivants des enfants qui n'avaient pas d'alimentation, parce qu'on a vu les images, ils sont chétifs, ils ne mangeaient pas, ils ne buvaient pas. Comment est-ce qu'ils sont restés vivants pendant tout ce temps? Si elles s'avèrent plausibles, à quelle fin de telles pratiques peuvent-elles aboutir? En règle générale, ce genre de choses ne se passe pas gratuitement, que ce soit de façon mystique, qu'on fasse disparaître les enfants. Généralement, c'est pour servir le mal. Que ce soit de façon rationnelle qu'on fasse disparaître des enfants, c'est toujours pour servir le mal. Soit on doit les vendre, soit on va vendre leurs ossements, soit on va vendre leurs organes. Une chose est sûre, on est totalement dans la dimension de l'illégalité et de l'illicite. Nous avons discuté avec quelques chefs de l'armée qui disent que physiquement, un être humain ne peut pas vivre dans une forêt aussi brute, hein, aussi vierge. Encore des enfants comme ça avec toutes les intempéries que l'on peut connaître. Alors, mais est-ce que ce n'est pas plutôt l'hypothèse du trafic d'enfants qui pourrait prospérer sur la première hypothèse, celle de l'irrationnel? Le corps de ceux qui... Le corps, c'est la gendarmerie, je crois, l'armée, qui ont mené les enquêtes. Ce sont des gens qui sont habitués à ce genre d'exercice, c'est-à-dire l'enquête, la fouille, les battues, etc. Premièrement, ils savent, parce que de toute façon leur formation les y aide, ils savent quel est le temps maximum de résistance d'un être humain dans un environnement comme celui-là. D'abord, à cause de tout ce qu'il y a comme animaux nuisibles, dangereux, c'est une zone forestière, il y a des serpents, il y a des insectes, il y a même des herbes qu'il ne faut pas toucher, il y a un certain nombre de dangers. Maintenant, il faudrait que l'on établisse de façon formelle que ces enfants n'ont rien mangé dans la forêt. Les enfants qui sont allés chercher des escargots, qui sont dans leur village, savent certainement ce qu'ils peuvent grignoter dans la forêt. Tout dans la forêt n'est pas poison. Tout dans la forêt n'est pas mauvais. Tout ce qui n'est pas cultivé n'est pas nécessairement nocif au corps humain. Ça, c'est d'abord le premier élément. On ne peut pas prouver jusqu'à preuve du contraire qu'ils n'ont rien mangé du tout, qu'ils n'ont rien bu. Même boire l'eau de pluie, ça permet de rester vivant. De l'autre côté, si on veut aller en la faveur d'un trafic humain, il faudrait qu'on démontre de manière irréfutable qu'il y avait des trafiquants, qu'il y avait une complicité, qu'il y a une chaîne,
qu'il y a un réseau qui était opérationnel et qui est venu intervenir à Moinko. Oui, mais dans cette, c'est une région qui a déjà fait parler d'elle, c'est une localité qui a déjà fait parler d'elle dans ses affaires de trafic de personnes. On se souvient qu'il y a moins de 3 semaines, le BIR a démantelé là-bas un réseau de trafic de personnes et d'immigrés clandestins, parmi lesquels il y avait des enfants qui n'avaient ni acte de naissance, aucune identité, qui n'avaient pas leurs parents parmi les trafiquants, parmi les clandestins qui étaient là. Et vite fait, bien fait, on s'est empressé de comprendre, bien sûr, que ces enfants étaient sans doute destinés à la commercialisation dans les différents réseaux dont nous faisons allusion aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas mettre justement ceci, ce qui arrive, à l'actif de ce genre de choses? En règle générale, pour des questions de scientificité, des questions d'objectivité, on ne peut pas établir une conclusion sans avoir passé toutes les vérifications, sans avoir éprouvé toutes les hypothèses et sans avoir, d'un point de vue méthodologique, prouvé, n'est-ce pas, ces hypothèses. Je pense que jusqu'à preuve du contraire, en l'état actuel, il faut intégrer les deux cas de figure relatifs, n'est-ce pas, à cette affaire. Un, que la question mystique soit possible, celle relevée, n'est-ce pas, par les notables qui parlent du chef traditionnel. De deux, que la question du trafic des humains soit réaliste, soit réelle, relative, n'est-ce pas, au fait que cet endroit a déjà des précédents. Une chose est sûre, et c'est ce que, à mon humble avis, les autorités ont compris, il faut être de plus en plus vigilant par rapport à cette question aujourd'hui d'enfants qui disparaissent, parce que de plus en plus, les trafiquants qui fleurissent dans ce domaine ont une forte propension à réaliser combien c'est difficile en ville. Ils vont chercher des zones périphériques, des villages comme ça, où les enfants ont un certain laisser-aller, parce qu'ils sont dans la nature, ils ont le droit d'aller au champ, ils peuvent aller pêcher, ils peuvent faire un certain nombre de choses, et c'est très facile de les attraper comme ça, parce que la densité de la population n'est pas importante. Donc, à mon humble avis, quoi qu'il en soit, l'un des éléments les plus importants, c'est que l'on puisse prendre des précautions désormais afin que les enfants n'aient pas l'habitude de se balader comme ça, même au village, sans aucun accompagnement. Quoi qu'il en soit, il est techniquement difficile de, ça c'est la dimension sécuritaire que je suis en train de relever, d'éviter que les gens utilisent des méthodes mystiques, hein, qui relèvent de la parapsychologie, de la métaphysique, de l'ésotérisme, il est techniquement difficile d'empêcher que les gens utilisent ces instruments, ces outils, ces méthodes. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que ce sont des lois naturelles. Le sorcier, c'est un individu qui a connaissance d'une petite loi sur la nature, une loi qui n'est pas partagée et qu'il utilise prioritairement pour nuire. Il pourrait utiliser la même loi, le même principe pour rendre service. Or, c'est des choses très souvent qui se passent dans l'univers du caché, et que seule une poignée d'individus possèdent, connaissent. Le problème, c'est que, quoi qu'il en soit, tout part d'abord et surtout de la mentalité de celui qui utilise une loi. Je prends quelque chose de très simple. Lorsque vous prenez le couteau vient du fer. Le fer est tiré de la terre. Ce n'est pas le fer qui dit dans quel sens il faut l'orienter. Est-ce qu'il faut en faire un micro? Est-ce qu'il faut en faire une cage? Est-ce qu'il faut en faire un fer à cheval? Est-ce qu'il faut en faire un couteau? Supposons même qu'on tombe d'accord du fait qu'il faille en faire un couteau. Le couteau lui-même ne décide pas de couper les fleurs. Le couteau lui-même ne décide pas d'aller faire la cuisine. Le couteau lui-même ne décide pas d'aller poignarder quelqu'un. Donc l'intentionnalité de ceux qui possèdent les lois, ces connaissances ou ce savoir est le problème de fond dans tout ce que je dis. Mais quoi qu'il en soit, la zone de Moinko reste l'une des zones les plus poreuses de notre pays au regard des multiples trafics qui s'y développent, ainsi que des pratiques mystiques qui s'y développent, font d'elle un endroit réputé en la matière. Jusqu'à quand la forêt de Bolunga continuera-t-elle à avaler des êtres humains? Si cette dernière affirmation trouve sa preuve dans la cause réelle de la disparition collective de 9 enfants, et le sort de Eugène restait dans la forêt, le mystère resterait plus grand. Mais lorsqu'il reste vrai que seulement dans la ville de Douala, 4 chefs de famille âgés entre 45 et 65 ans ont disparu sans trace entre 1999 et 2013 en laissant derrière eux des choses parfois relevant du mystère, découvert par leur famille, pantois jusqu'aujourd'hui, la sorcellerie et les disparitions d'êtres humains
ont quelque chose en commun. Il faut dire que les enquêtes que nous bouclons actuellement sur le terrain révèlent que la ville de Mbouda, à l'ouest du Cameroun, reste un haut lieu de disparition de cette nature. Nous préparons actuellement une enquête qui vous informera des contours et des détours de cette forme de disparition qui, depuis belle urètre, se déroule dans notre pays sans que personne puisse lever le moindre petit doigt. C'est sur ce, mesdames, messieurs, que nous mettons un terme à cette édition, la toute première de votre émission d'enquête Au-delà des faits. Merci de l'avoir suivi et de rester en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent. À très bientôt.